C'est parti, la conférence débute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Si vous m'entendez, c'est très bien. Je suis ravi que vous êtes aussi nombreux. La journée du sommeil est un moment important dans le fonctionnement de l'INSV. La 21e se tient aujourd'hui dans le contexte difficile que vous connaissez. Et l'équipe de l'INSV a tenu pour la première fois cette année à mettre en œuvre cette journée dans un cadre virtuel, ce qui représente un véritable défi pour lequel je tiens ici à remercier le bureau et les salariés de l'INSV, et particulièrement mon ami le président Marc Rey, pour tous ses efforts au sein de l'Institut dans l'action est saluée chaque année et très appréciée par la société. Merci à Madame Borali, la directrice de la clinique d'Arécy, surtout de nous accueillir dans ce locaux et particulièrement à mes collègues de la clinique de d'Arécy et le Centre hospitalier de Pau pour participer à la réussite de cette installation en Béarn. Vous êtes tous ici les bienvenus et je vous remercie de votre participation active. Je donne la parole à Madame Borali, la directrice, pour vous accueillir et on enchaîne selon le programme. Madame, à vous la parole. Bonjour à tous. Donc, Madame Borali, je suis la directrice de la clinique. Je suis ravie, comme chaque année, de vous accueillir tous, à la fois en présentiel et en distanciel. On a la chance sur Arécy d'avoir un centre lié au sommeil et une expertise forte liée à une pluridisciplinarité importante. Donc je vous souhaite une belle découverte sur cette étude, notamment du bien dormir pour mieux faire face. Et je vous souhaite une belle après-midi accompagnée de nos intervenants. Merci madame. Je voudrais dans un premier temps, dans le temps qui m'a de 10 minutes. En fait, nous avons 6 présentations, chaque présentation de 10 minutes. Je remercie la centrale avec Lina et Annabelle de nous accorder peut-être 5 minutes supplémentaires compte tenu du retard qu'on a eu. En fait, ma tâche aujourd'hui, c'est de vous présenter l'enquête que l'Institut national du sommeil, avec la mission qu'elle a, que je vous montre à l'écran, qu'elle a menée dans ce contexte effectivement de Covid. Dans un premier temps, vous voyez ici, on a essayé de comparer la différence entre le sommeil des Français sur cette enquête qui est planifiée sur 1010 personnes avec études méthodologiques de Opinionway, qui a la tâche de chaque année de réaliser cette enquête. Donc, on a, dans un premier temps, comme vous voyez à l'écran, essayé de comparer les habitudes des Français avant la question de COVID et après, entre le deuxième confinement par la suite. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de grande différence dans la durée du sommeil, aussi bien durant la semaine, comme c'est marqué ici, 7h16 pendant la semaine en temps normal, qui est réduit à 7-9 minutes, pas grande différence, mais également pendant le week-end, 7-52 au lieu. La seule différence, c'est que les gens, effectivement, avant l'histoire de COVID, on était parti dans une orientation à augmenter la durée du sommeil qu'on a perdu, effectivement, durant les 40 ou 50 dernières années. Les Français ont perdu une heure, pratiquement, sur le sommeil. Et là, on était pendant l'année 2020 en train de regagner. Et malheureusement, à cause de ce qui nous est arrivé pendant la période de COVID, eh bien, on voit bien que la durée du sommeil est en train de se réduire. Maintenant, concernant les habitudes et la sieste, on voit bien que le Français pratiquement a l'habitude de faire une sieste à peu près un tiers de la population. Mais avec l'arrivée de deuxième confinement, on a l'impression qu'un deuxième sieste était plus fréquente dans la semaine. Deuxième préoccupation était le fait qu'il y avait oui ou non plus de fatigue. La réponse effectivement est plus importante. 17% de cas de fatigue supplémentaire durant le deuxième confinement. Et comme vous voyez ici,
en grande majorité, dans un quart des temps, pour la qualité du sommeil. Les gens trouvent que leur qualité de sommeil était moins bonne et c'est comme ça qu'ils étaient progressivement recherchés des ressources pour améliorer cette qualité du sommeil. Et comme vous voyez ici, pratiquement un quart des Français étaient cherchés à la recherche pour améliorer, que ce soit pour l'alimentation à la hauteur de 31%, que ce soit à avoir des horaires régulières pour le sommeil. Troisième paramètre qui était altéré, c'était à savoir oui ou non l'utilisation de l'écran était plus fréquent. La réponse est oui. Et là, on peut le comprendre parce que ce soit les personnes à la recherche d'emploi ou en difficulté ou éventuellement les étudiants en grande partie, vous voyez, l'utilisation de l'écran, alors 3 à 5 jours par semaine, était plus que 50% des Français ont utilisé donc leur multimédia, plus que 3 à 5 jours, et en fait, tous les jours étaient à la hauteur de 41% de la population qui était amenée à utiliser. Et 25% parmi eux, ils ont utilisé donc leur écran plus qu'une heure et demie par jour. Et les trois quarts de Français déclaraient que finalement, ça leur a fait ni chaud ni froid d'avoir l'écran, mais particulièrement un Français sur cinq, c'est quand même cependant 20% de l'exposition de l'écran ont reflété qu'il y avait un impact négatif sur leur sommeil en utilisant l'écran, un Français sur cinq. Maintenant, concernant le côté psychologique, eh bien, comme vous voyez ici, l'étude a fait montrer que 34% il y avait de la population, il y avait des anxieux, une répartition de l'anxiété, et particulièrement chez les femmes, qui étaient à la hauteur de 40%. Question dépression, eh bien 33%, pratiquement même échelle, à la hauteur également de 40%, mais là, ce n'est pas les femmes, c'est les plus jeunes, de 18 à 34 ans. Et en parallèle, on a pu se rendre compte que finalement, les gens qui étaient davantage atteints avaient un terrain un peu confronté avant cette histoire à des notions de fatigue et accentuer la fatigue et les troubles du sommeil qui étaient accentués pendant la période de confinement. À la recherche donc d'éléments meilleurs, on a surtout regardé en parallèle est-ce que les Français ont peuvent bénéficier de la sortie, par exemple, plein air, ce qui est le cas. Pratiquement, trois quarts des Français passaient de temps en plein air. Alors, il y a un paramètre là, moins de une heure n'était pas sorti vraiment de modification très significative, mais ce qui attire l'attention, c'est que les gens qui avaient plus de une heure à l'extérieur étaient moins fatigués et étaient moins sujets à des compensations dépressives. D'autre côté, le sport également était bénéfique et comme on voit, il y a une amélioration de qualité de sommeil et enfin, près de 3 Français sur 10 ont estimé qu'ils ont eu une augmentation du poids et parmi cette partie-là, il y a 1 sur 4 qui estime que ceci est à cause de troubles du sommeil. Trois paramètres que je termine. La première, est-ce que les gens qui étaient atteints de COVID étaient plus sujets à faire de troubles de sommeil? Vous voyez ici, les chiffres sont très clairs. Effectivement, il y a pratiquement 50% des gens qui étaient atteints par le COVID et qui ont eu de troubles du sommeil et qui ont également, à la hauteur de 6,2 au lieu de 5,1, plus fatigués et leur qualité du sommeil était également altérée, pratiquement à la hauteur de 50% supplémentaire, c'est-à-dire 36% versus 26%. L'amélioration du sommeil était recherchée par les gens qui étaient atteints de COVID, aussi bien avant qu'après, on parle de la même personne, et on trouve également une aggravation, le côté anxieux et le côté dépressif, pratiquement à la hauteur de double, 66% chez les gens qui étaient atteints de COVID. Et même si on considère que les gens qui étaient atteints de COVID plus
leur entourage, c'est-à-dire dans leur entourage, il y avait des COVID, eh bien, ils sont augmentés à la hauteur de 25% quand il y a eux et l'entourage, et à la hauteur pratiquement de double concernant la comparaison entre les gens qui avaient des COVID et la totalité de l'enquête, donc passé à 66 au lieu de 34. Et en dernier lieu, il y a pratiquement le double en perte du poids qui passe à 26% au lieu de 12% versus général. En dernier lieu, est-ce qu'il y avait comparativement des différences entre les gens qui ont travaillé exclusivement en télétravail relativement aux gens qui ont travaillé sur place? Oui, ce que vous voyez en jaune montre bien que ce soit en termes de recherche à améliorer leur sommeil, à recherche comment ils peuvent faire mieux, et aussi la moins bonne qualité de sommeil. Vous voyez, elle était à 27% chez les gens qui ont travaillé à distance par rapport aux gens qui ont travaillé sur place, moins donc atteint, 20%, et davantage recherché à améliorer le sommeil. Côté anxieux, ils étaient plus anxieux et davantage de déprime. Quant aux gens qui ont fait de télétravail par rapport aux gens qui travaillaient sur place, on peut dire à la hauteur à peu près de 15 à 20% de plus. Dernière diapo, est-ce qu'il y a effectivement un point bien spécifique pour les jeunes entre 18 et 24 ans, les étudiants entre autres et autres? Eh bien, comme vous voyez ici, les chiffres sont très clairs, plus d'écran, plus de fatigue, moins bonne qualité de sommeil et également le côté anxieux et dépressif. Elle est pratiquement augmentée de 50%. Et en dernier lieu, la perte du poids était le double par rapport à l'ensemble des gens interrogés. Merci. Je passe la parole au docteur Ourcadet, notre psychiatre. Vous pouvez entrer en scène. Est-ce que mon micro marche correctement? Alors, votre micro n'est pas allumé, mais j'ai l'impression qu'on entend via le micro du docteur Dakar. Donc, j'invite le docteur Dakar à éteindre son micro et voix l'allumer. Absolument. Voilà. Ça y est, moi, je passe correctement. C'est parfait, vous pouvez y aller. Je peux y aller? Il y a un petit sifflement, c'est bon, ça s'éteint. Bon, merci à tous, que vous soyez en présentiel ou en virtuel. Pour gagner un peu de temps, je vais zapper tout le début de mon intervention, mais ça ne vous aurait pas appris grand-chose. Je commence directement par le fait que je n'aime pas le mot « stress », alors que le stress est très, très à la mode. Je ne l'aime pas parce que je le trouve trop galvaudé. Il a perdu son acception originelle, qui était éminemment positive, car elle décrivait une fonction corporelle précieuse, physiologique et sophistiquée, orientée vers la lutte contre l'adversité. Le sens de ce mot, qui désignait initialement un instinct animal de sauvegarde, a fini par s'inverser pour devenir un grand fourre-tout où l'on jette en vrac tout ce que l'on ne comprend pas et qui effraie a priori. Or, ce système est toujours câblé en nous pour aider à survivre, en nous aidant à choisir vite et bien entre la fuite et l'affrontement, et pas seulement la fuite directe sans affrontement. Le stress, au sens moderne, ne devrait pas devenir l'alibi de l'abandonnisme. Alors, ici, on devrait placer la diapositive représentant le héros de ce siècle, le stress. Ça devrait venir. Seul Dark Vador sait comment cet innocent mot de stress est devenu à la mode, à la suite de quelles alchimies il a pu envahir sournoisement, comme un virus, notre inconscient collectif. Pour le moment, assez dangereusement, il fascine, maintenant qu'il a été récupéré par le côté obscur de la force. Il agit dans l'ombre et sape nos ressources personnelles de défense. Absolument tout autour de nous finit par sembler menaçant, insurmontable. Le seul mot de stress semble posséder un charme envoûtant. Le risque serait de lui céder tout de suite plutôt que de se battre avec les moyens à notre portée.
Vous l'ignorez peut-être, mais cette année, les conférences auxquelles vous assistez célèbrent le 100e anniversaire de la thèse Princeps de Hans Selye, un médecin québécois. C'est lui qui a forgé dès 1921 le concept initial de stress, longtemps avant qu'il ne soit dévoyé. Permettez-moi d'en extraire ce que Selye désignait très clairement par le terme de facteur stressant. Car de toute évidence, oui, ces temps-ci, ce que l'on voit à l'œuvre, ce sont bien les facteurs stressants et leurs méfaits, plus ou moins orchestrés par les médias. Ces facteurs stressants, suivant comment on s'en accommode, finissent par installer une détresse émotionnelle qui risque de dégénérer en devenant contre-productive et mortifère. Les ressources internes de combativité faiblissent plus ou moins vite suivant les individus. N'est pas Indiana Jones qui veut. La résilience, c'est une capacité aussi injustement répartie que les autres richesses. À différents degrés, suivant nos structures mentales respectives, nous risquons de développer un sentiment d'insécurité péjoratif avec hypochondrie, irritabilité, solitude inexorable, retrait social, anxiété généralisée et troubles du sommeil. Apparaissent aussi souvent une diminution des activités physiques remplacées par des comportements à risque. Et les risques plus ou moins marqués de la dépression avec les signes physiques que tout le monde ici connaît. Il faut garder à l'esprit que l'angoisse et la dépression sont toujours étroitement liées. D'un point de vue neurologique, il s'agit d'ailleurs des deux faces d'une même pièce. La prévalence dépression, troubles anxieux, troubles du sommeil a effectivement augmenté depuis un an, mais pas autant qu'on aurait pu le craindre chez les patients déjà porteurs de ces troubles. Peut-être y étaient-ils déjà entraînés, ayant vécu pire que la pandémie, hélas. Mais les chiffres sont authentiquement devenus préoccupants dans la population dite « normale », qui n'avait pas été repérée fragile, car infraclinique, avant le déclencheur Covid. Quelle que soit leur origine, il faudrait pouvoir dépister et prendre en charge précocement les troubles anxio-dépressifs qui ne sont pas déjà suivis. Il faudrait pouvoir écouter tout ce désarroi qui gronde chez les patients encore anonymes, comme chez les soignants surmenés et sous-estimés. Avec une attention particulière pour les adolescents et les adultes jeunes entre fac et premier emploi. Il faudrait pouvoir injecter de la réassurance raisonnable là où il n'y en a plus. Il faudrait pouvoir éduquer en s'efforçant de ne pas imposer ses propres credos. Bref, il faudrait une neutralité bienveillante et honnêtement rassurante, ce qui manque terriblement dans la cacophonie alarmiste actuelle. Le soignant peut expliquer de façon pragmatique et hors polémique. Il peut montrer les réactions psychologiques classiques en période d'insécurité prolongée. Avec empathie et dédramatisation bienveillante, il rassure et tâche d'explorer s'il existe déjà une compensation par des comportements à risque. Il le fait sans juger ni endoctriner. Les techniques, bien codifiées, sont globalement celles de la TCC. Dans les cas plus graves, on utilise celles du débriefing. En l'occurrence, dans le flou anxiogène de cette période pandémique, la meilleure approche au cas par cas semble devoir être socratique, c'est-à-dire directe mais non directive. Par exemple, je vois que vous êtes tendu, c'est plutôt normal en ce moment. Avez-vous un ami, une connaissance fiable et calme avec qui en parler en vrai, pas seulement au téléphone ou sur les réseaux ? Il faudrait limiter l'impact de la désinformation en conseillant une attitude active vis-à-vis des infos, croiser les sources, mais sans entrer pour autant dans l'obnubilation paranoïaque qu'entraîne l'écoute hypnotique d'un seul et même média. Il faudrait valoriser les sources écrites, moins faciles à ingurgiter, plutôt que télévisuelles ou radiophoniques qui se répètent à l'infini en se contradisant elles-mêmes. À la longue, elles installent un malaise anxieux perpétuel. Quand le maître signe est un trouble du sommeil d'installation récente et non encore compliqué par la prise systématique de somnifères, il est encore temps de prôner les règles hygiéno-diététiques de base. Pas de café ni vitamine C après 14 heures, soirée calme, horaire régulier, souper léger sans alcool, au moins une demi-heure de calme sans télé ni le moindre écran avant le coucher, lecture au lit jusqu'à apparition de l'endormissement, etc. Tous ces conseils peuvent sembler évidents, mais ils sont rarement auto-appliqués. Dans le cas qui nous occupe, dépression et ou anxiété généralisée sont les causes flagrantes et souvent intriquées du trouble de sommeil.
une dépression avérée recevra, s'il le faut, son traitement adéquat. Suivant la gravité de l'anxiété gênant le sommeil, mes confrères seront peut-être obligés de prescrire anxiolytiques et ou somnifères. Il faudrait que ces traitements restent de courte durée, car il faut absolument éviter le piège de la chronicisation insomnie produit. Côté patient, cela revient à accepter de considérer les calmants un peu comme un antibiotique qu'il faudra arrêter dès que possible, malgré le confort magique dangereux qu'il procurait. Par exemple, une attitude opérante serait de se dire « Je ne peux rien individuellement contre le virus, mais il dépend de moi seulement de me limiter en café, alcool et somnifères. Je ne peux pas éliminer moi-même le virus, mais mon premier combat, c'est déjà de porter un masque quand je sors et me laver les mains aussi souvent que possible. Pour maintenir ma santé mentale, je peux aussi éradiquer le poste de télévision de ma chambre, le téléphone, les tablettes, etc. et me garder en bonne forme physique en faisant du sport et en dormant correctement. » Alors, j'avais déjà un peu mis les pieds dans le plat en déboulonnant la statue du stress. Je vais maintenant élever deux grands tas bien distincts de mots apparemment synonymes. D'un côté, souci, inquiétude, peur et terreur. De l'autre, opposé, anxiété, angoisse et panique. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de vocabulaire. Bien plus intéressant que ça, il est question de séparer l'objectif du subjectif, le visible de l'occulte, ce qui dépend de moi de ce qui est externe, le rationnel de l'irrationnel et l'espoir raisonnable de l'abandonnisme. Peur et angoisse, un seul déterminisme, une même hormone et des conséquences physiologiques et des interprétations différentes suivant l'individu. La peur permet de rester raisonnant et actif sur ce qui dépend de soi. À l'inverse, l'angoisse provoque une sidération plus ou moins prononcée. Alors que la peur maintient une sorte d'équilibre armé en laissant opérante la prudence et la raison, l'angoisse fait le lit de la suggestion et de l'abandonnisme. Jusqu'à un certain point, on peut choisir son camp et s'y maintenir s'il existe une résilience solide et de l'autodiscipline maintenue. Évidemment, il est moins simple de lutter que d'abandonner, comme il est difficile de se remettre au sport après l'avoir longtemps arrêté, puisque la récompense ne sera pas immédiate. C'est toujours la même lutte entre le court et le long terme. Pour s'auto-stimuler au début, il est plus efficace de remplacer dans son vocabulaire le verbe « essayer » par « s'efforcer de », « tâcher de » ou « faire son possible pour ». Et ces premiers petits efforts payent assez rapidement puisque l'estime de soi réapparaît vite et agit directement en renforcement positif de tout le néosystème devenu opérant. À moyen terme, le sommeil, la confiance en soi et l'humeur s'améliorent. On peut proposer des phrases assez simples, des questions assez simples. Ça y est, les automatismes, marques, distances, savons sont bien en place, tout ce qui dépend de vous au premier chef. Qu'est-ce que vous connaissez comme méthode simple pour diminuer l'anxiété? Vous les pratiquez de temps en temps? Vous réussissez à trier les différents concepts de soucis, inquiétudes, peurs, anxiété, etc. Tout ne se retrouve plus mélangé dans le grand sac noir du stress? Bien. Peu d'alcool, lecture plutôt que télé avant le coucher? Quoi? Un bouquin de Proust, ça marche mieux que Stephen King? Ben oui, comme vous voulez. Les amis dont vous me parlez souvent, vous faites du sport avec eux? Vous marchez ensemble, calmement, pour pouvoir discuter? Et la méthode simple que je vous avais apprise au début, vous vous en souvenez? Oui, c'est ça. La relaxation minute. La relaxation minute. Elle peut vous servir à vous endormir facilement le soir ou vous réendormir en pleine nuit. Dégainer au bon moment, la relaxation minute, ça peut éviter le recours trop facile à ce maudit quart de l'exomil. Et d'ailleurs, pour garder la main, on va s'en faire une petite de relaxation minute. Oui, tous les deux, ensemble. Et c'est vous qui allez nous orchestrer ça. On se cale bien dans son fauteuil, on ferme les yeux, on laisse sa respiration se calmer tout en se concentrant sur la phase expiratoire. Et vous, oui, vous commencez la liste tranquillement, en commençant par le cuir chevelu, jusqu'à ce qu'il apparaisse bien en conscience, et puis les oreilles, la nuque, l'épaule droite, etc. Merci. Merci beaucoup.
Oui, oui. Alors, bonjour. Moi, je vais vous présenter de quand et pourquoi faire un enregistrement du sommeil et quel type d'enregistrement choisir dans l'insomnie. Donc, quelques petits rappels. L'insomnie, c'est une pathologie très fréquente. En 2010, plus de 16% de la population française adulte avait de l'insomnie chronique, avec de nombreuses conséquences, que ce soit psychiques, anxio-dépressives, troubles de la concentration de la mémoire, ou physiques, cardiovasculaires. De manière plus globale, elle impacte aussi le socio-économiquement, avec une augmentation du nombre d'arrêts de travail et une baisse de la productivité. Et ce sont souvent des patients qui surconsomment principalement les hypnotiques. Alors, quelle est la place du médecin traitant ? Comme dans la plupart du temps dans notre système de santé, ça reste le premier interlocuteur pour les patients. C'est souvent lui qui fait de la prévention et dans le cadre de pathologie du sommeil, c'est lui qui dépiste et qui va initier la première ligne de traitement. Et s'il y en a besoin, c'est lui qui rentre vers le spécialiste, que ce soit pour les examens complémentaires ou pour accentuer le traitement. Alors, il existe différents examens possibles en médecine du sommeil. Les plus faciles à mettre en place qui sont l'altimétrie et la polygraphie respiratoire. La polysomnographie qui reste l'examen de référence. Et les deux derniers qui sont les tests de latence d'endormissement et les tests de maintien d'éveil qui sont des tests très spécifiques et qui sont rarement utilisés dans le cadre de l'insomnie, donc je ne les détaillerai pas. Alors, quelles sont les indications aux explorations dans le cadre de l'insomnie ? Pour rappel, l'insomnie isolée, c'est un diagnostic essentiellement clinique. Donc, il n'y a aucun examen recommandé en première intention. Concernant l'actimétrie, donc c'est un examen qui est assez simple à mettre en place, qui en fait mesure les mouvements corporels pour essayer de comprendre le sommeil. On l'utilise lorsqu'il y a une mauvaise perception du sommeil. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on l'utilise quand il y a une mauvaise perception du sommeil. Il nous permet de clarifier la situation et donc faire un peu le point sur le type d'insomnie. La polygraphie respiratoire, on l'utilise quand il y a une suspicion clinique forte d'apnée du sommeil associée à l'insomnie. Donc, on l'utilise pour rechercher des apnées ou des hypopnées du sommeil et donc confirmer ou infirmer le diagnostic. La polysomnographie, lui, il est utilisé lorsqu'il y a une suspicion d'insomnie avec comorbidité. Donc, les insomnies avec comorbidité, ce sont des insomnies associées à d'autres pathologies, que ce soit du sommeil, narcolepsie, syndrome jambes sans repos, des pathologies psychiatriques ou des pathologies plus globales pouvant entraîner une perturbation ou voire déclencher l'insomnie comme des pathologies entraînant des douleurs chroniques et réveillant le patient. Lorsqu'il y a une insomnie sévère, avec des répercussions de la journée qui sont importantes, telles qu'une somnolence importante, ou lorsqu'il y a un échec du traitement initial. Donc là, la polysomnographie, on l'a fait pour comprendre ce qui perturbe l'insomnie ou ce qui la crée, s'il n'y a pas d'autres pathologies associées, et voir ce qu'on peut proposer en plus du traitement de l'insomnie. Donc, pour conclure, l'insomnie, c'est une pathologie fréquente. Le rôle du médecin traitant est très global dans sa prise en charge, que ce soit pour dépister, initier la base du traitement et orienter vers les spécialistes. Et oui, il y a des enregistrements possibles en médecine du sommeil dans le cadre de l'insomnie, rarement en première intention, mais c'est principalement quand il y a une insomnie avec comorbidité, des insomnies sévères ou lorsqu'il y a un échec du traitement initial. Merci de votre attention. Merci, Dr. Martin. Très chic d'avoir respecté le temps imparti et ça nous permettra de continuer avec Nathalie qui va un peu nous montrer comment elle fait ses enregistrements du sommeil et quand il y a une indication et sur quelle base avant d'aborder les questions plus organiques concernant les apnées du sommeil et les complications cardiovasculaires que le docteur Marc va nous détailler, ainsi que les apnées du sommeil chez l'enfant, que le docteur Rowe va nous développer, et particulièrement à la fin. Je vous garantis de
prolonger un peu le retard qu'on a, pour rattraper le retard qu'on a eu, pour que le docteur Elzaklim puisse effectivement parler, présenter comme elle sait le faire concernant les Vous m'entendez? Je donne la parole à Madame Ludévec. Vous m'entendez bien? Ludévec, à vous la parole. Alors, je ne vois pas mon PowerPoint. Partage, Michel, il est où? Alors, Lina. Docteur Dakar, vous pouvez peut-être éteindre votre micro. C'est juste mon document. Oui. Partager le, il faut partager. Ah, oui, j'y suis. Ici, là. Alina. Fenêtre. Ok. Ah, ok. Un petit souci technique, mais c'est fait. Voilà, bravo, Nathalie. Donc, vous m'entendez bien? Donc, moi, je vais vous parler de, des deux examens que nous pratiquons ici dans la clinique du sommeil, dans la clinique du sommeil, voilà. Donc, la polygraphie et la polysomnographie. Et donc, déjà pris en charge par la Sécurité sociale dans le cadre du parcours de soins. Donc, c'est pour ça qu'il vous sera demandé une lettre de votre médecin traitant ou spécialiste lors de votre première consultation. Donc, la polygraphie respiratoire, donc, c'est un examen qui permet d'enregistrer les données de la respiration pendant le sommeil. C'est un examen que l'on fait ici principalement en ambulatoire. On utilise un polygraphe qui est fixé sur un t-shirt et il comprend plusieurs capteurs. Une canule nasale pour mesurer le débit ventilatoire. Des sangles thoraciques et abdominales pour mesurer les mouvements respiratoires. Un oxymètre de pouls qui va mesurer la quantité d'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, le CG et la position corporelle. En ce qui concerne la polysomnographie, donc elle va enregistrer d'autres signaux qui vont permettre une analyse plus complète du sommeil. Donc, en plus des différents capteurs de la respiration et du rythme cardiaque, elle va aussi quantifier les stades du sommeil grâce à un montage de 3 capteurs au niveau cérébral, 2 capteurs que l'on va retrouver au niveau des yeux et 2 capteurs au niveau du menton. Enfin, on va retrouver 2 capteurs au niveau des jambiers pour rechercher les mouvements périodiques des jambes. On retrouvera aussi un capteur du ronflement et le capteur positionnel. La polysomnographie peut se faire donc en ambulatoire, mais aussi ici en hospitalisation, sous vidéo, avec la possibilité de programmer aussi des siestes dans le cadre de patients qui présentent une somnolence diurne. Donc, le déroulement des examens. Donc, en premier lieu, il y a une partie médicale. Donc, le docteur Dakar donc, vous recevra pour faire un état des lieux de votre sommeil grâce à une consultation précise, avec donc un relevé de vos habitudes de sommeil, un tableau clinique et aussi différents questionnaires que vous remplirez d'auto-évaluation sur différents domaines. La somnolence, la fatigue, le syndrome des jambes sans repos, l'anxiété, la dépression, la phobie sociale et l'agoraphobie. Donc, par la suite, si c'est retenu, suite à cet interrogatoire précis, le médecin donc, pourra prescrire une polygraphie ou une polysomnographie. Donc, ensuite, la partie technique. Donc, plusieurs conditions sont requises le jour de la pose de l'examen du sommeil. Donc, en ambulatoire, on demande à ce que les patients soient accompagnés pour le retour, de prévoir un t-shirt propre, d'éliminer tout ce qui est traces de maquillage, vernis à ongles qui peuvent interférer pour la pince de l'oxymétrie. Un rasage est préconisé au niveau du menton pour bien faire adhérer les électrodes autocollantes. On évite aussi tout ce qui est piercing au niveau du nombril, au niveau des yeux. Et donc, le maquillage, j'en ai parlé. Voilà. Par la suite, je vous présenterai un questionnaire que vous aurez à remplir. Donc, c'est un questionnaire sur la journée que vous aurez passée. Et ensuite, d'autres questions à répondre aussi le lendemain matin sur le ressenti de la nuit. Donc, c'est un questionnaire qu'il faudra ramener le lendemain matin
en même temps que le boîtier et tous les câbles. Ensuite, je vous présenterai le boîtier d'enregistrement et ses différents capteurs. Donc, c'est un boîtier qui ne fait pas du tout de bruit, il n'y a pas du tout de lumière dégagée, il ne vibre pas, rien du tout. Donc, par la suite, je procéderai au nettoyage de la peau pour appliquer les différents capteurs et câbles. Je brancherai donc tout au niveau de la machine et on fera la vérification des signaux à l'ordinateur et on programmera le boîtier. Vous n'aurez rien à toucher au moment du coucher. Comptez environ 30 à 35 minutes de pause et pour le contrôle au niveau de l'ordinateur. Par la suite, donc, une fois rentré chez vous ou donc dans la chambre, vous gardez vos habitudes de coucher avec la prise de médicaments s'il y en a. On évite quand même tout ce qui est portable, tablette, qui peuvent créer des interférences. Et dès le lendemain matin, donc, vous pourrez enlever les différentes électrodes autocollantes, les différents capteurs et câbles, le boîtier, afin de tout nous ramener le lendemain matin avant 10h30 au centre. Un rendez-vous vous sera donné aux environs de 8 jours après pour poser un diagnostic. Merci. Merci Alexandre pour l'invitation. Donc, aborder un sujet qui n'est pas si ancien que ça, parce que je ne sens pas très vieux pendant mes études de carrière. Depuis les années 2000, on n'a jamais parlé de la problématique du sommeil. En tout cas, dans les facteurs de risque cardiovasculaire, ça n'était pas beaucoup abordé. On va le voir dans notre propos, on va se rendre compte que ce syndrome du sommeil est impliqué dans beaucoup de pathologies cardiaques. Alors, déjà, il faut comprendre l'effet du sommeil au niveau cardiovasculaire. Docteur Marc, est-ce que vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît? Docteur Marc, m'entendez-vous? Pouvez-vous allumer votre micro? On ne vous entend pas du tout. On n'entend rien du tout. Pouvez-vous revenir sur la page Livestorm et allumer votre micro, s'il vous plaît? Je vous ai envoyé une invitation pour activer le micro. Voilà, activez le micro. Vous m'entendez? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est bon? Alors, revenez sur votre diapo. Désolé, alors on va... Pas de souci. Revenez sur votre diapo et vous pouvez continuer. Excusez-moi. Au début du topo, je disais que l'apnée du sommeil, on n'en parlait pas au début de mes études en cardiologie, au début des années 2000, donc ce n'est pas très loin. Ce n'était pas du tout évoqué. Et maintenant, on se rend compte que l'apnée du sommeil, c'est impliqué et c'est mis en cause, en tout cas, dans beaucoup de pathologies cardiaques, les pathologies les plus classiques en tout cas. On va retrouver une action de cette apnée du sommeil. Donc, pour comprendre tout ça, il faut déjà voir que pendant le sommeil normal, le corps se met au repos, mais aussi le système cardiovasculaire, puisque on note une baisse de la fréquence cardiaque pendant le sommeil de 4 à 10 battements par minute, associée à une baisse de la pression sanguine dans les artères périphériques, mais aussi les artères coronaires. Par contre, quand on manque de sommeil et qu'on fait notamment des micro-éveils, ces micro-éveils sont souvent non ressentis. Il se passe au niveau organique une sécrétion massive d'hormones, donc une hormone connue qui est l'adrénaline, qui provoque des poussées tensionnelles, mais aussi des accélérations cardiaques. Ça, c'est connu. Par contre, ce qui est moins connu, c'est aussi une activation par ces micro-éveils de l'inflammation, une activation des globules blancs. Et tout ça, on l'a montré dans certaines études, ça favorise le dépôt de cholestérol dans les artères. Donc, l'apnée du sommeil favorise l'athérome coronaire. Et il y a aussi des études qui ont montré qu'un sommeil réduit, ça provoquait une mauvaise régulation du métabolisme glucidique avec une baisse de l'action de l'insuline et une baisse de sécrétion d'insuline,
Et tout ça aussi est le terrain pour favoriser l'apparition d'un diabète. Donc, on comprend bien qu'il va y avoir un retentissement cardiaque et vasculaire de ce syndrome d'apnée du sommeil. Il fallait aussi le prouver. Ça a été prouvé il y a maintenant plusieurs années. Là, c'est une étude de 2005. Donc, en rouge, on a eu la courbe d'événements cardiovasculaires chez les patients qui présentent un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Et en vert, la courbe en bas, c'est les patients en contrôle. En 144 mois, c'est-à-dire en 12 ans, les patients qui présentent une apnée du sommeil sévère, il y aura plus de 15% des patients qui auront présenté un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Donc on voit là vraiment que c'est un facteur de risque cardiovasculaire tout à fait significatif. Alors, chose rassurante sur cette diapositive, c'est que les patients en bleu, qui sont les patients appareillés chez qui on a diagnostiqué un syndrome d'apnée du sommeil sévère, ils rejoignent quasiment la courbe de survie des patients contrôle. Donc, ce qui donne de l'espoir. Alors, pour faire un petit peu le tour des pathologies qui sont concernées et qui sont impliquées dans le syndrome d'apnée du sommeil, il y a l'hypertension artérielle, c'est peut-être la plus connue. On a montré que l'apnée du sommeil, ça provoquait de l'hypertension artérielle. Donc, les gens qui ont de l'apnée ont 5 fois plus de chances d'avoir de l'hypertension. Mais aussi, ça diminue l'efficacité des traitements. Donc, quand on a un patient qui a 3, 4, 5 médicaments pour la tension qu'on n'arrive pas à équilibrer, il faut vraiment y penser à chaque fois, cette satanée apnée du sommeil, et le faire enregistrer, sachant que le traitement de l'apnée du sommeil permet aussi de diminuer la tension artérielle. Donc, il y a un but thérapeutique. Pathologie moins connue qui est l'hypertension artérielle pulmonaire. Là aussi, quand on fait de l'apnée du sommeil, on provoque de l'hypoxie, et l'hypoxie va provoquer une contraction des petites artères qui vont au poumon, et ça va provoquer des pathologies au niveau de la partie droite du cœur, la partie droite du cœur qui est celle qui est en corrélation avec le poumon. Donc c'est des pathologies qui sont particulièrement sévères et embêtantes. Les troubles du rythme, donc là aussi un gros morceau chez les cardiologues, donc que ce soit les bradycardies et les tachycardies, on peut les voir pendant l'apnée. Un patient qui fait une apnée, pendant l'apnée, il va être bradycarde, et au sortir de l'apnée, il va présenter une tachycardie avec des battements qui sont à plus de 100 par minute. On peut le voir en mettant des haltères ECG, des petits appareils qui permettent de mesurer le cœur sur 24 heures. Quand on voit ça sur un enregistrement haltère ECG, il faut évoquer une apnée du sommeil et le faire enregistrer. Ça peut aussi, comme on le voit sur ce petit schéma, provoquer des pauses cardiaques, et ça peut aller jusqu'à des morts subites. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère du tout, ce syndrome d'apnée du sommeil. Quelque chose qui est aussi une cause de consultation fréquente chez le cardiologue, c'est les extrasystoles, ce fameux petit raté cardiaque qu'on ressent, notamment le soir. Et là, on sait aussi que l'apnée du sommeil, ça provoque ces extrasystoles. Ça peut provoquer aussi des arythmies, comme ici sur ce tracé, une fibrillation auriculaire. Fibrillation auriculaire qui est une des causes d'AVC. Donc, là aussi, les patients qui font de la fibrillation auriculaire, il faut penser à enregistrer le sommeil, parce qu'on peut avoir une amélioration, voire une disparition de ces troubles après appareillage de l'apnée du sommeil. Donc, ce n'est pas un diagnostic pour faire un diagnostic, mais c'est aussi pour proposer une thérapeutique. Autre gros morceau de notre travail de cardiologue, c'est l'insuffisance cardiaque. Et là aussi, l'apnée du sommeil, elle est impliquée dans cette insuffisance cardiaque. Ça provoque l'hypoxie, notamment, provoque des vasoconstrictions. Donc une contraction de tous les vaisseaux, ça fatigue le cœur, ça provoque des hypertrophies cardiaques, le cœur se relaxe moins bien. Et donc on cherche aussi, on traque cette apnée du sommeil chez les patients insuffisants cardiaques, et il y en a beaucoup. La maladie coronaire, donc là aussi un risque d'infarctus qui est multiplié par 1,5 chez l'homme et 4,7 chez la femme à cause de l'apnée du sommeil. Donc, l'apnée du sommeil, il a sa place dans les facteurs de risque cardiovasculaire, comme le tabac, comme le cholestérol, comme le diabète. Il faut y penser. L'AVC aussi, c'est par le même mécanisme d'ailleurs que les infarctus. Donc, l'AVC, l'apnée du sommeil provoquant de l'hypertension artérielle et l'hypertension artérielle provoquant des AVC, on a la boucle est bouclée. Donc, il faut traiter l'apnée du sommeil pour traiter l'hypertension artérielle. On a aussi l'arythmie, comme je vous ai dit, la fibrillation auriculaire, qui peuvent provoquer des AVC. Donc, c'est vraiment une maladie globale, ce syndrome d'apnée du sommeil. Il faut y penser du médecin, que ce soit le médecin cardiologue ou le médecin généraliste. Il faut penser à ce syndrome d'apnée du sommeil et penser à le faire détecter. On le connaît moins bien, mais il faut aussi y penser chez les patients diabétiques. L'hypoxie chronique, ça,
comme je l'ai dit au début du topo, ça diminue l'action de l'insuline. Donc, en traitant l'apnée du sommeil, on améliore aussi cette sécrétion d'insuline et l'efficacité de l'insuline. Voilà, il y a une étude canadienne qui a été réalisée entre 1994 et 2010. Ils ont pris 8000 patients, un peu plus de 8000 patients souffrant d'apnée du sommeil. Ils les ont suivis pendant cette période. Au début, il n'y en avait aucun qui avait un diabète. Et au cours du suivi, il y a 11% de ces patients qui avaient de l'apnée du sommeil qui ont déclaré un diabète. Donc, ça montre bien que ce syndrome d'apnée du sommeil est impliqué dans le développement des diabètes. Donc, pour résumer mon propos, c'est que le syndrome d'apnée du sommeil, il a maintenant toute sa place dans le panel des facteurs de risque. Et il faut le rajouter aux facteurs de risque classiques. Et puis, pour conclure, donc, comme j'ai essayé de montrer, ce syndrome d'apnée du sommeil, c'est vraiment une maladie globale. Il faut vraiment y penser. C'est un surrisque cardiaque et vasculaire certain. Maintenant, il n'y a plus à tergiverser. Le principal problème, c'est qu'il est pour l'instant très sous-diagnostiqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'intérêt de ces campagnes d'information au grand public, parce que c'est parfois aussi les compagnes des patients qui nous y font penser en racontant la nuit de leur conjoint ou conjointe. Il faut absolument qu'on ait cet enregistrement plus facile, on va dire, cet enregistrement du sommeil, et pour tous nos patients, la plupart de nos pathologies cardiovasculaires en tout cas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, la parole est à la docteur Pro. Elle va nous parler du syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant. Donc, elle est très impliquée au centre italien de Pro. On travaille avec elle en collaboration. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous pouvez y aller. C'est bon? Merci, monsieur Dakar. Bienvenue à tous les auditeurs. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous parler du syndrome de l'apnée du sommeil de l'enfant, qui est un syndrome assez peu connu et surtout sous-diagnostiqué dans une population qui intéresse toutes les tranches d'âge. Alors, il s'agit d'un syndrome très complexe que j'assimile à une équation aux multiples facettes de présentation clinique chez un enfant qui va être en pleine croissance et tous ses symptômes vont évoluer à bas bruit. Le dénominateur commun va être le ronflement associé au trouble du sommeil et on verra qu'il est important d'envisager une prise en charge multidisciplinaire. Donc, qu'est-ce que ce syndrome? C'est une obstruction intermittente complète ou partielle des voies respiratoires qui vont interrompre le cours normal de la ventilation pendant le sommeil et en perturber son déroulement. Cela intéresse toutes les tranches d'âge, je disais, mais avec un pic aux alentours de 3 à 6 ans. Et surtout des facteurs de risque chez certains enfants, comme des enfants nés prématurément ou avec un terrain d'obésité, ou alors des petits patients hyperactifs. Les causes sont multifactorielles et on s'attardera plus aux causes anatomiques des voies aériennes supérieures qui intéressent notre spécialité d'ORL. Alors, quand y penser? Quand le ronflement persiste régulièrement ou irrégulièrement pendant la nuit, en dehors des périodes d'infection. Et pour illustrer un enfant suspect, alors je ne sais pas si vous entendez, voilà. Donc, c'est un enfant qui présente une respiration extrêmement forte avec un tirage. Il respire par la bouche, il a un tirage au niveau de la région susternale ici. Donc, un enfant très suspect. Le ronflement va témoigner d'une résistance du passage de l'air au niveau de toute la filière respiratoire à différents niveaux. Et ce qui est difficile, c'est de trouver exactement à quel niveau cet obstacle se situe. Ça peut être uniquement des limitations de débit au niveau de la sphère nasale, mais aussi des hypopnées avec des désaturations par un problème de rétrécissement de la filière, ou des apnées complètes, des véritables pauses respiratoires, fort heureusement un peu moins fréquentes chez le jeune enfant. À ce ronflement vont s'associer des signes respiratoires nocturnes, que vont être une respiration, la bouche ouverte, un enfant qui va adapter sa position en hyperextension, en position génu-pectorale, des enfants qui vont être agités la nuit, se réveiller régulièrement, beaucoup transpirer, ou faire des pipis au lit. On pourra voir aussi des enfants qui vont développer des parasomnies, comme des cauchemars, des terreurs nocturnes ou du somnambulisme.
On peut aussi voir les signes diurnes. Un enfant va se réveiller fatigué, cerné le matin, avec des troubles de l'humeur. Les enfants vont être plus irritables, témoignant du manque de sommeil. Mais ça peut être aussi des troubles de l'attention et de la concentration, notamment à l'école, chez des enfants qui peuvent être étiquetés malheureusement d'enfants distraits, inattentifs ou hyper excités en classe. Mais en fait, ça peut cacher de véritables problématiques. Plusieurs types de syndrome d'apnée du sommeil. Trois types. Le plus fréquent, le type 1, c'est le jeune enfant hyperactif avec de gros amygdales. Le type 2 sera un enfant en surpoids, avec des troubles métaboliques. Et le type 3, des syndromes beaucoup plus complexes, faisant intervenir les problèmes génétiques, avec des trisomies 21 ou des syndromes polymorphiques faciales. La cause la plus fréquente, c'est bien sûr la cause inflammatoire. Le jeune enfant va s'infecter pour s'immuniser entre 3 et 6 ans. Cela va faire gonfler les organes lymphoïdes au niveau du nez, que sont les végétations et amygdales, au niveau de la gorge, et donc représenter un premier obstacle. Des causes génétiques avec de véritables familles syndromiques qui vont augmenter le risque de sa hausse par 4. Et puis, on a ces causes adaptatives. L'enfant va véritablement respirer en résistance, s'adapter par une respiration qui va devenir exclusivement buccale. La langue ne va plus se placer comme il faut et ça va avoir un impact très important sur sa croissance faciale qui va être en étroitesse et la respiration devenir de plus en plus en résistance aggravée. Tout ça dans un cercle vicieux auto-entretenu et chez un enfant qui va grandir en restriction. Multiples conséquences, et l'enfant portera sa croissance faciale et on aura des enfants qui auront typiquement une face allongée par manque de croissance transversale. Donc des enfants très mignons et des petites dents en avant, une incompétence labiale, des enfants qui présentent des défauts de croissance au niveau de la mandibule qui est en rétrusion. Le SAOS de l'enfant est à conséquence majeure, parfois sur la croissance, mais surtout sur les troubles cognitifs d'attention de mémorisation, de vitesse d'apprentissage, des troubles du comportement qui vont être les enfants qui vont être impulsifs, qui vont avoir du mal à maîtriser leurs émotions ou qualifiés faussement d'hyperactifs qu'on peut retrouver chez les psychologues ou les neuropédiatres, alors qu'en fait l'enfant est très fatigué, il va lutter pour ne pas dormir. Chez les SAOS de type 2, on aura plus des conséquences sur le métabolisme, le surpoids, l'hypertension, la dépression. Ici, le jeune cas d'un petit Amir de 3 ans, vous voyez, il a un faciès vraiment typique, il est fatigué, il est cerné. Sa maman me l'amène pour des ronflements continus depuis plus de 6 mois. Il a des réveils difficiles, il est de mauvaise humeur, il ne mange pas bien, il y a une stase pondérale et il a ce faciès qu'on décrit d'adénoïdien parce qu'en fait, il respire par le nez, il a un air un petit peu hagard, mais c'est typique d'un problématique obstructif. Alors, le rôle de l'ORL va être bien sûr de dépister les problèmes par un interrogatoire axé sur le sommeil. Nous aurons aussi, bien sûr, la mission de trouver les obstacles à différents niveaux et l'examen clé, c'est l'examen nasofibroscopique, qui va être un examen avec une caméra qui va permettre de visualiser l'ensemble des lieux d'obstacles. En premier lieu, l'hypertrophie amygdalienne. On va codifier et stadifier l'hypertrophie, ici en stade 4, avec des amygdales qui sont quasiment jointives. On va regarder s'il existe des inflammations au niveau du nez qui peuvent témoigner d'une allergie aussi conjointe, un passage d'air complètement obstructif. Et puis des conséquences de la croissance en restriction, des enfants qui vont développer très rapidement des déviations de cloisons nasales. Ici, l'exemple de végétation adénoïde, donc au fond du nez, qui vont être une source aussi d'obstacles bien visibles. On s'astreindra à regarder comment se développe toute la filière sur un examen qui va être dynamique. Préférentiellement, il faut examiner les enfants en position allongée pour voir s'il existe des problèmes d'obstacles au niveau pharyngé et épiglotte. Et lorsqu'on ne peut pas le faire vigile, on peut le faire en slip endoscopie au bloc opératoire. On regardera les problématiques d'obstruction, éventuellement des freins restrictifs, des problèmes d'occlusion, dépister les mauvaises habitudes qui auto-entretiennent les problématiques de croissance. Alors, quel bilan? Quand on a une corrélation clinique suffisante avec vraiment un obstacle, on n'a pas besoin d'aller plus loin.
Sinon, il faut réaliser des examens complémentaires comme la polygraphie ventilatoire ou la polysomnographie. Polygraphie très accessible qui se fait en ambulatoire et la polysomnographie qui aura plutôt un intérêt chez les plus grands enfants ou lorsque on a besoin d'avoir vraiment des informations sur la qualité de sommeil et les mouvements. Un enfant est pathologique quand il fait plus d'une apnée par heure. Il y a différentes stadifications du SAOS, plus ou moins sévères. Mais ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est des enfants qui ne font pas d'apnée, mais qui ont un syndrome de haute résistance respiratoire avec des micro-éveils, des enfants qui bougent beaucoup et qui désynchronisent leur sommeil. Quel est notre rôle en tant qu'ORL ? Restaurer une ventilation nasale et de la filière, mais pas que, et pas tout seul. Il faut vraiment un traitement multidisciplinaire. Le traitement de référence va être l'amygdalectomie, qui va avoir une efficacité entre 75 et 80% des cas, total ou partiel. Malheureusement, il existe des SAOS résiduels en fonction du terrain et aussi de l'âge à laquelle on intervient et au moment où la croissance est faite aussi. Et puis pour les SAOS beaucoup plus sévères au-delà de 5. Il y aura vraiment une intime relation entre professionnels, donc relation avec l'allergologue pour dépister et traiter les allergies, relation avec l'orthodontiste qui vont véritablement être d'une grande aide pour intercepter et activer les croissances odontosquelettiques, qu'elles soient maxillaires ou mandibulaires. Relation étroite entre pédiatre, sage-femme, ORL, orthophoniste pour tout ce qui est fonctionnel au niveau de la langue, savoir sectionner un frein de langue assez tôt, réapprendre à l'enfant à respirer par le nez et rééduquer véritablement sa langue. Corriger des postures. Quand un enfant grandit mal de la face, il va aussi solliciter des adaptations posturales qui vont être source de dysfonctionnement, de scoliose, d'hyperlordose. Et donc ça aussi, ça doit être pris en charge. Corrélation avec la diététicienne par rapport aux troubles métaboliques chez l'obèse. Et puis surtout, une corrélation avec le pneumopédiatre lorsqu'il y a des indications de ventilation positive nocturne, lorsqu'un enfant a besoin d'être ventilé. Il faut installer ces masques pour permettre d'activer une pression positive et améliorer l'enfant. La prise en charge va être aussi psychologique pour un soutien. C'est une prise en charge qui est complexe, qui est contraignante, qui demande vraiment à l'enfant et aux parents d'être motivés pour toute cette prise en charge fonctionnelle. C'est compliqué, il y a un gros parcours de soins. Et donc, il faut prendre du temps pour expliquer. Vous l'avez compris, le SAOS, c'est une pathologie qui nécessite de multiples compétences orchestré par le couple ORL pédiatrique, pédiatre, pneumopédiatre et tous les autres. C'est un vrai petit marathon qui demande patience et assiduité. Il faut vraiment être dans la course contre la montre de la croissance faciale rapide et tout se joue vraiment avant 6 ans. Que retenir ? Que c'est la cause la plus fréquente de troubles du sommeil, que l'impact neurologique et développemental est vraiment très sérieux à prendre en considération et pas toujours rattrapable. Et que l'ORL va traiter, bien sûr, par une chirurgie et les autres, orchestrer la prise en charge multidisciplinaire, indiquer une PPC et surtout accompagner l'enfant. Un message pour les parents qui nous écoutent. Il est dit que les enfants sont beaux quand ils dorment, alors ouvrez vos sens, observez-les, écoutez-les et consultez sans tarder un médecin généraliste, un pédiatre ou un ORL. Et je terminerai sur juste une info sur une association qui est très bien faite, ouverte au grand public et aux professionnels, qui est l'association IDEAS, qui a été monté par un collectif de professionnels pour justement faire connaître ce syndrome d'apnée du sommeil. Il y a des informations très, très, très efficientes et aussi une application et un livre sur le sommeil de marmotte pour accompagner les enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Fabienne. Vous pouvez peut-être fermer votre micro. On va fermer les autres micros. On va passer la parole au docteur Elsa Krim pour nous parler de la dernière intervention. J'espère qu'on aura le temps. Lina, si vous nous écoutez, de ne pas nous couper parce qu'effectivement, on va. Oui. Ne vous inquiétez pas, au pire, je laisserai tourner le webinaire et puis vous partirez quand ce sera terminé. Bonjour, je remercie le docteur Dakar de m'avoir invité. Il me reste à peu près 1 minute 30 pour vous parler de tout ça. Et finalement, après
le syndrome d'apnée du sommeil, le risque d'AVC, de pathologie cardiaque, d'avoir un enfant avec des troubles du comportement. Finalement, il y a de quoi faire des cauchemars, mais moi, ça va être un peu plus léger, on va dire, et je vais vous toucher un petit mot du coup très rapide sur les parasomnies, en particulier le somnambulisme. Et pardon. Voilà. Excusez-moi, petit souci de partage d'écran. Voilà, donc de somnambulisme et de terreur nocturne. Pardon. Allez-y, hein, prenez votre temps, hein, docteur Krim. Hein. Je ne vais pas couper la conférence en plein milieu. Bon, on est partagé. Il faut ouvrir le. Il est ouvert. Oui, il faut réduire la fenêtre en haut. Voilà, super. Très bien. Ah. Réduisez la fenêtre en haut, là, sur le tiret. Allez. C'est bon ? D'accord. Bon, donc maintenant, il me reste 40 secondes, même pas. Prenez votre temps, hein. 5 minutes, d'accord, ok. D'accord, donc voilà. Alors, donc le somnambulisme et les terreurs nocturnes, ça correspond à un grand groupe qu'on appelle les parasomnies. Et qu'est-ce que c'est qu'une parasomnie ? C'est un ensemble assez hétérogène qui regroupe tous les phénomènes indésirables qui surviennent pendant le sommeil, que ce soit des phénomènes pas que moteur, mais ça peut être des phénomènes verbaux ou sensoriels. Et ça ne survient pas chez n'importe qui, finalement, chez des sujets prédisposés. Tout le monde ne va pas être somnambule ou avoir des terreurs nocturnes. Alors, les parasomnies, on peut se demander si, du coup, ça modifie l'architecture du sommeil, comme peut-être le syndrome d'apnée du sommeil ou d'autres choses. Ben, en fait, si on regarde les patients qui ont des parasomnies, on les enregistre, il n'y a pas de modification de l'architecture du sommeil. En fait, il y a une organisation veille-sommeil qui est tout à fait normale et contrairement au syndrome d'apnée du sommeil aussi, il n'y a pas de répercussion dans la journée, il n'y a pas de somnolence diurne excessive et c'est constitué par des troubles du comportement, souvent des automatismes moteurs, mais ça peut être de façon verbale, on a vu, et une confusion mentale. Et quand la personne essaye de interagir avec le sujet qui a des parasomnies, ben, finalement, ce sujet n'interagit pas beaucoup, ne répond pas beaucoup malgré les stimulations. Alors, il y a une classification des parasomnies, mais on ne va pas parler de tout, vous inquiétez pas. Donc, on considère qu'il y a trois grands groupes. Il y a les parasomnies par trouble de l'éveil. Il y a les parasomnies liées à un trouble de transition veille-sommeil et des parasomnies qui apparaissent pendant le sommeil paradoxal. Donc, moi, la mathématique, c'est somnambulisme et terreur nocturne et aussi éveil confusionnel. Je vous en toucherai un mot rapide. Et donc, c'est des parasomnies par trouble de l'éveil. C'était juste pour vous dire dans quel groupe on se situait. Et vous avez ici un tableau un peu compliqué, mais finalement pas tant que ça, qui regroupe donc le type de parasomnie. Vous avez l'âge et le sommeil, ou quand ça survient pendant le sommeil lent ou pendant le sommeil paradoxal. Et on va s'intéresser uniquement donc à la partie le somnambulisme ou les terreurs nocturnes. Si on regarde dans le sommeil, ça n'apparaît pas n'importe quand et ça apparaît essentiellement pendant le sommeil lent, ça n'apparaît pas pendant le sommeil paradoxal. Et si on regarde l'âge aussi de survenue, ben, on constate que c'est essentiellement chez l'enfant. Et si on regarde maintenant sur une nuit qu'on enregistre, donc vous avez 20 heures à la fin, 6 heures du matin, est-ce que ces parasomnies apparaissent n'importe quand pendant la nuit ? Ben non. On se rend compte aussi que les terreurs nocturnes et le somnambulisme, c'est essentiellement en début de nuit. Pardon. Vous voyez, vous avez 22h et 23h. Donc, c'est souvent 2-3 heures après l'endormissement. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant et ça permet déjà par un interrogatoire de voir ce dont il s'agit. Alors, donc, ces parasomnies qui sont considérées comme un trouble de l'éveil, ben, finalement, c'est plus fréquent chez l'enfant. C'est ce que je vous disais en première partie de nuit. On pense qu'il y a une prédisposition génétique parce qu'il y a quand même, on retrouve des antécédents familiaux à l'interrogatoire. Il y a à chaque fois une amnésie immédiate, c'est-à-dire que la personne et l'enfant notamment ne peut pas raconter ou décrire ce qui s'est passé le lendemain au réveil. Ce qui peut être embêtant, c'est que parfois il peut y avoir des phénomènes d'agressivité ou des réactions de fuite. Et il y a parfois des facteurs favorisants comme une hyperthermie, une fièvre, un manque de sommeil ou un contexte de stress. Alors, l'éveil, donc il y a, je vous ai dit, donc dans ces troubles de l'éveil, il y a l'éveil confusionnel, somnambulisme et les terreurs nocturnes. Donc, l'éveil confusionnel, c'est quoi ? C'est un enfant assez jeune qui a moins de 5 ans, qui se réveille en début de nuit,
qui pleure, qui s'agit dans son lit. Et en fait, il paraît réveillé, mais il dort. Donc, il va essayer, si vous essayez de le consoler, il va vous repousser. Mais en fait, c'est pas grave, c'est juste qu'il est dans un éveil confusionnel. Le somnambulisme, c'est quoi ? C'est un enfant qui va se lever de son lit, qui va déambuler, qui peut avoir des automatismes assez élaborés d'ailleurs, parce qu'il peut par exemple se lever, descendre un escalier, aller dans la cuisine, sortir toute la vaisselle d'un meuble et les remettre dedans, et sans rien casser, même si ça vous inquiète. Voilà. Et puis, il va aller se recoucher. Et ça se fait donc en première partie de nuit, 1 à 2, 3 heures après l'endormissement, pendant le sommeil lent, profond. C'est des phénomènes qui peuvent durer quelques minutes, mais des fois, ils peuvent être prolongés, ils peuvent durer jusqu'à 20-30 minutes. Le lendemain, donc vous, ça vous a impressionné ce qui s'est passé, mais le lendemain, votre enfant, quand vous lui racontez, il ne se rappelle de rien. C'est assez fréquent puisqu'on considère que c'est 10 à 15% des enfants qui présentent un somnambulisme. Ça peut être chez l'adulte aussi, mais c'est moins marqué. Et on retrouve un terrain souvent familial. Les terreurs nocturnes, maintenant, c'est aussi assez fréquent finalement, un peu moins que le somnambulisme, mais c'est quand même 3% des enfants. Le somnambulisme, l'enfant se réveille, il a les yeux ouverts et ils peuvent faire 1 ou 2 accès dans la nuit. Les terreurs nocturnes, c'est un épisode unique qui est assez bref en général. Il s'endort et 2-3 heures après, vous êtes réveillé. Enfin, vous êtes alerté par des cris, des pleurs, il pleure, hein, il est en sanglots, il peut y avoir des troubles végétatifs avec des sueurs, une pâleur, mais il y a peu d'interactions, il n'arrive pas trop, il ne vous raconte pas ce qui se passe et il est assez indifférent d'ailleurs à ce que vous pouvez lui dire et le lendemain, il ne se rappelle de rien. Alors, est-ce que c'est embêtant d'être somnambule ou d'avoir des terreurs nocturnes ? Finalement, bon, c'est pas si gênant que ça, puisque ça ne modifie pas l'architecture du sommeil. La seule chose qui peut être embêtante, c'est quand il y a une mise en danger et un risque d'accident. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des facteurs prédisposant à ces risques d'accident. On considère que si on fait un épisode au moins une fois par semaine ou plus d'une fois par semaine, on a un risque un peu plus élevé d'accident. S'il y a des antécédents familiaux, si la durée est prolongée supérieure à 10 minutes, et si quand on essaye d'interagir avec la personne, il y a un réflexe de fuite. Hop. Et alors, souvent, les parents vous disent « Ah, ben mon enfant, il fait plein de cauchemars, il se réveille la nuit, il crie. » Et en fait, ces terreurs nocturnes sont différents des cauchemars. Et comment on peut faire la différence entre les deux ? Déjà, si vous demandez à la maman « Ben, quand est-ce que c'est survenu son cauchemar ?»« Ah, ben il venait de s'endormir, il s'est endormi vers 21h et vers 23h, il m'a réveillé. » Donc ça, c'est tout sauf un cauchemar, puisque les cauchemars, ça arrive… en général en fin de nuit et pendant le sommeil paradoxal, donc le sommeil du rêve. Hein. Alors, les terreurs nocturnes, c'est tout l'inverse. En général, c'est la première partie de nuit, c'est dans le sommeil lent profond. Il peut y avoir des pleurs, des hurlements, alors qu'en général, c'est moins marqué dans les cauchemars. Finalement, ça va être assez pauvre. Le contenu mental est pauvre dans les terreurs nocturnes. Et à part crier et pleurer, il ne va pas pouvoir verbaliser beaucoup de choses. Et il va pas se rappeler de ce qui s'est passé. Alors que le cauchemar, l'enfant va se rappeler de ce qui s'est passé. Il est capable de vous raconter, même si vous le réveillez, qu'il a vu un monstre qui est rentré dans la chambre, qui a pris une hache, etc., etc. Alors que terre nocturne, bon, à part dire qu'il a eu peur, c'est tout. Quand vous essayez de le réveiller, d'ailleurs, il est un peu confus, il vous reconnaît pas, il sait pas bien que vous êtes le parent, et puis finalement il va se rendormir très facilement, alors que le cauchemar finalement c'est tout l'inverse, il va avoir du mal à se rendormir puisqu'il va avoir peur de refaire un autre cauchemar puisqu'il n'y a pas d'amnésie de l'événement. Alors finalement j'ai fini ma présentation et je voulais finalement vous dire que pour tout ce blabla on pouvait le résumer juste avec des images, et le somnambulisme c'est ça, la terreur nocturne c'est ça. Et pour faire la différence entre une terreur nocturne que vous avez ici à gauche et un cauchemar à droite, voilà, c'est ces dessins avec première partie de nuit, deuxième partie de nuit, très effrayant pour la terreur nocturne avec un contenu pas très élaboré et beaucoup plus élaboré pour le cauchemar. Et je finirai juste par vous faire une citation de Victor Hugo, « Mieux vaut un bon sommeil qu'un bon lit ». Et finalement, avec Franquin qui a fait ce petit dessin de Gaston Lagaffe un siècle après, mais qui finalement veut dire la même chose. Alors, je voulais choisir, voir si vous préférez le dessin ou si vous préférez la citation. Et vous pouvez lire une BD ce soir ou de la poésie ou de la littérature pour avoir un bon sommeil, ce que je vous souhaite. Merci. Super. Ça allait. Merci beaucoup Elsa, et je vais regarder si actuellement on a des questions posées.
Alors. Alors, voilà, effectivement, il y a une question posée que je lis ici, elle est à l'écran. Une patiente qui avait des troubles du rythme cardiaque et qui donc pose par ailleurs la question suivante. Je suis en TCC, donc en traitement cognitivo-comportemental, pour des insomnies d'endormissement chronique depuis 5 mois, mais malheureusement, les améliorations sont sporadiques et ne sont pas effectivement sur le long terme. Est-ce qu'il est nécessaire que je consulte dans un centre du sommeil? Alors, je vous rassure tout de suite qu'il faut absolument se rendre compte que le traitement cognitivo-comportemental, je parle sous réserve de docteur Orcadet qui va peut-être répondre plus en détail. Eh bien, le traitement cognitivo-comportemental, c'est un traitement qui prend du temps. L'amélioration est confirmée, elle n'est pas à 100%, mais elle est confirmée. Ça a quand même l'opportunité de ne pas être pharmacologique. Et je laisse le docteur Orcadet s'il veut ajouter. Vous avez la parole, monsieur Orcadet. Vous avez votre micro ouvert. Venez vers moi, comme vous préférez. Oui, bonjour. Donc, c'est une question à la fois intéressante et complexe. Il me semble avoir compris que l'origine était plutôt cardiaque. Hein, c'est ce que vous avez dit, les troubles du rythme, c'est ça? On souffre de rythme également. Alors, D'accord. C'est la même. Alors oui, ça me paraît assez évident et ça me paraît logique que les extrasystoles provoquent de l'anxiété. Ça doit être une façon de ressentir un risque imminent, bien entendu. Hein. Et les TCC ne s'occupent pas spécialement de ça, ou du moins, si vous voyez un thérapeute, il vous renverra chez un cardiologue. Ce qui est intéressant, c'est quand les deux peuvent travailler ensemble, cardiologue et psy. Ça me paraît intéressant de toute façon, de la double prise en charge, comme toujours. Quoi dire de plus? Oui, le docteur Dakar le disait, ce sont forcément des traitements longs et un peu aléatoires ou un peu récidivants. Hélas. Mais je vous conseille quand même de les continuer parce qu'il y a vraiment un mieux à gagner et surtout sans traitement médicamenteux, sans anxiolytique. Voilà. Que dire de plus? Dans un centre du sommeil, peut-être, oui, effectivement, que vous pourrez voir les deux spécialistes, chacun son tour, et qu'ils travailleront ensemble. Là, ça serait le mieux possible. Parfait. Merci beaucoup. Voilà la deuxième réponse pour le côté cardiologie. Juste me permettre de répondre aussi à la question par rapport aux extrasystoles. Donc, c'est vraiment un mode de consultation très fréquent des cardiologues et on essaie au maximum de ne pas non plus donner de traitement médicamenteux pour ce type de symptômes qui sont vraiment dans 99,9% des cas. C'est complètement bénin une extrasystole, mais ça peut être mal vécu, mal ressenti. C'est toujours polyfactoriel. Il y a beaucoup de stress, il y a la fatigue. Donc, l'apnée du sommeil favorise ces extrasystoles, mais c'est rarement la seule cause. Donc, ça reste polyfactoriel, il faut s'en souvenir. Et ce qui marche très bien dans la gestion des extrasystoles et pour la prise en charge des extrasystoles, c'est le sport. Donc, il faut avoir une activité physique régulière, il faut avoir une hygiène de vie aussi en évitant de boire des litres de café, éviter l'alcool le soir et encore une fois, sur le plan cardiologique, on essaie d'éviter au maximum de médicaliser ce type de symptômes, sauf si vraiment c'est insupportable et ça a des conséquences sur la vie quotidienne où on peut être amené à mettre un certain nombre de traitements, notamment des bêta-bloquants. Mais encore une fois, dans la grande majorité des cas, les règles d'hygiène de vie et le sport, ça permet vraiment d'améliorer les symptômes.
Merci Nicolas. Alors, une autre question concernant la déviation de cloison nasale chez l'adulte peut-elle être à l'origine de problèmes d'insomnie? Je donne la parole et ce sera la fin pour le docteur Ho qui répond à cette question si elle veut bien. Alors, à proprement parler, la déviation de cloison nasale, ça ne va pas avoir un impact sur des insomnies, mais ça peut gêner la respiration nasale qui elle-même peut être source de réveil ou de micro-éveil ou d'être dans un tableau clinique de résistance respiratoire ou de croissance qui a fait que la déviation est présente. Donc, ce n'est pas tout à fait l'insomnie à proprement parler, mais ce que vous entendez par insomnie, est-ce que c'est des troubles respiratoires pendant le sommeil ou est-ce que le nez est bouché pendant le sommeil? De toute façon, une pathologie nasale peut être source de troubles du sommeil. Donc, il faut l'explorer et il faut au moins consulter l'ORL pour voir ce qu'il en est. Tout à fait. En clair, la présence de cloison nasale peut ne pas être isolée, peut être associée à d'autres pathologies qui peuvent être à l'origine de troubles d'insomnie, donc à ce moment-là secondaire, et non pas d'insomnie psychophysiologique, anxiété, etc., qui reste quand même le commun des mortels, peut l'avoir avec ou sans cloison nasale. Mais le cloison, la déviation de cloison nasale isolée, seule, sans vraiment obstruction empêchant la respiration et qui peut être à ce moment-là obligé de, on va dire, résistance de voie aérienne supérieure avec peut-être une baisse d'oxygène. Sinon, la cloison nasale isolée n'est pas seule suffisante pour créer un syndrome d'apnée du sommeil qui, lui, est une pathologie plus basse au niveau plutôt de boucle laryngée. Autre question, sinon je tiens à vous remercier tous. On était à peu près pas loin d'une centaine de personnes. Donc je remercie l'ensemble des participants et particulièrement les intervenants. Et à l'année prochaine, merci beaucoup à l'équipe de l'INSV de nous mettre en réseau et tolérer notre retard. Merci. Au revoir.